Mois octobre est dédié pour sensibiliser le monde aux différentes qualités de cancer et aussi pour éduquer les autres la façon pour vivre plus en bonne santé. Ça veut dire pour essayer de réduire le risque de gagner sa maladie. C'est un masque qui appelle Pink Link Walk, qui est l'association sur Optimist Cécile, qui organise une termine d'activités qui concerne l'éducation au cancer ici. Première activité qui, bonnement, petit fait, c'était distribuer un ruban rose. Et en retour, mon public t'y fait une contribution. Un petit peu après 11h bon matin, je suis aligné devant le bâtiment Trinity House en préparation pour la masse qu'ils ont pour faire. En signe de reconnaissance pour les bonnes qui peuvent souffrir et puis famille bonnes victimes de cancer, en particulier cancer tété. Salamas, tu commences au bâtiment Trinity House et puis tu passes tout au long depuis le supermarché Test ici et puis en montant au bon magasin Timoji, trace la route Francis Rachel et viens finir l'hôpital Cécile. Sa groupe du monde qui la majorité est habillé en rose. Tu peux aussi passer différents messages le 6 cancer tété en serve bonne poster. Et de la cour l'hôpital Cécile, président de l'association sur optimiste, les canards, qui présente ses officiers médicaux, docteur Anne Gabriel, et donation d'argent qu'ils ont ramassé en travers de contributions qu'ils font. We feel that we have certainly raised awareness amongst the general public about breast cancer today. This ties in well with our bigger project, costing our club 250,000 rupees, which was successfully launched earlier in the month as part of Cancer Month activities. The Breast Cancer Screening and Awareness Program, in collaboration with Ministry of Health, ran for 2 weeks from 10th October, and 120 women over the age of 50 years were screened and mammograms done, alongside a series of sensitization and education program on breast cancer and the importance of regular self-examination of breasts. For what people have collected from the sale of pink ribbons, which will go towards raising breast cancer awareness in Seychelles and for early detection. Breast cancer is the commonest cancer in Seychelles, and too many women are still dying of breast cancer, and too many are coming too late for treatment. Even if people know about breast cancer in Seychelles, sometimes it takes them an extra step and encouragement for them to come forward to be treated. But just to remind people that early detection saves lives, and if people are aware that they have a lump in their breast or may be suffering from breast cancer, may they come forward and get treated. There are people who are prepared to assist you. There are people who are there to support you through your illness. Bonne membre Fondation JJ Spirit, tu es aussi présent contre sa activité pour amener d'autres supports.